Salut, c'est Ingrid Tancré, capitaine du LDLC Asvel Féminin. Alors, ça fait maintenant la deuxième saison que je suis capitaine de Lyon. Donc une fierté, une satisfaction. Je prends la place d'une très bonne amie. Donc voilà, c'est un peu dans la lignée de ce qu'ils avaient fait auparavant. À Lyon, c'est un peu à tous les niveaux que ça se passe, autant au niveau supérieur avec le président, la directrice sportive, qu'à notre niveau en tant que joueuse et au niveau du staff sportif. Voilà, c'est vraiment la coordination de tout le monde et l'avis de tout le monde qui compte. C'est une fierté de pouvoir représenter son équipe, que ce soit sur le terrain, en dehors, auprès des partenaires, etc., dans la vie de tous les jours. Mais des fois, c'est pas une mission non plus hyper confortable ou simple, parce qu'il y a forcément des petits conflits à gérer, des conflits d'intérêts. Donc c'est une mission assez compliquée, mais en même temps qui est très, très belle à relever. Donc sur le terrain, de par mon poste de jeu, naturellement, je transmets les informations au groupe que le coach me donne. Et dans la vie de tous les jours, c'est voilà, c'est des infos sur notre quotidien, sur des événements qu'on va avoir. Ça peut être de tout et n'importe quoi, du dress code à une info sur un événement. Voilà, c'est vraiment, vraiment de la transmission d'informations. Je pense que c'est quelqu'un qui est altruiste, à l'écoute, vraiment attentionné, à l'écoute de chacun et chacune. Il ne faut pas être centré sur soi-même parce que forcément, c'est le groupe qui compte. Et pour moi, c'est une des qualités primordiales pour être capitaine. Après, il y a le leadership aussi qui rentre en compte. Mais voilà, que ce soit sur le terrain ou en dehors, c'est vraiment l'attention et l'écoute qu'on porte aux gens. C'est d'être toujours au courant de tout avant les autres, de pouvoir partager énormément, de communiquer, comme je dis, avec le staff administratif, sportif. Et puis quand on gagne, de pouvoir être la première à soulever les trophées.